On va commencer assis aujourd'hui. Assis dans une position confortable. Enfin, je vais croiser d'ailleurs. S'installer dans une position confortable, les jambes peuvent être croisées, vous pouvez être assis sur le tibia, les deux tibias, enfin, comme ceci si vous préférez. Ou les jambes légèrement tendues, si légèrement tendues ou légèrement pliées, enfin peu importe, une position assise qui vous permet d'être confortable. Et on est parti. Je vous invite à fermer les yeux, à laisser les épaules retomber, à laisser les genoux retomber un peu, à prendre l'inspiration, à allonger la colonne vertébrale, et on expire par le nez en douceur. Ok, on va bien rentrer le ventre aujourd'hui, contracter les abdos pour concentrer la respiration au niveau du thorax. Le ventre bien serré, on va prendre une bonne inspiration par le nez. Et sur l'expiration, on contracte un peu plus le ventre et on expire par le nez. Encore une fois, on inspire, le ventre est toujours rentré. On expire, on contracte plus. À nouveau, on inspire par le nez. On expire, on contracte le ventre, par le nez toujours. Encore une bonne inspiration par le nez. Et une bonne expiration par le nez. Prochaine inspiration à nouveau par le nez. Le ventre est toujours rentré, cette fois-ci on va expirer par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez. On contracte un peu plus, on expire. À chaque fois qu'on inspire, on grandit la colonne vertébrale. À chaque fois qu'on expire, on contracte le ventre, on relâche les épaules, on vide par la bouche. Encore une comme ça, par le nez. Encore une par la bouche. On va rebasculer avec la respiration par le nez. Inspiration par le nez, inspiration par le nez. On inspire, par le nez en douceur. Et on expire par le nez en douceur. On va bien relâcher le ventre. On va prendre une bonne inspiration par le nez, on gonfle le ventre. Cette fois-ci, on expire par la bouche en relâche. Une dernière fois, on inspire par le nez. Une dernière fois, on expire par la bouche. Ok. On va bien ouvrir les yeux ici. On s'installe bien au niveau de l'assise. Et on est parti. On va inspirer, les deux mains vont monter au ciel. Sur l'expiration, main gauche au sol et on bascule côté gauche. On étire tout le côté droit du corps, un petit pli dans le bras gauche. On inspire, les deux mains au ciel. On grandit et sur l'expiration, main droite, genou gauche. Main gauche à l'arrière au sol et on expire, on trouve notre torsion ici. On presse la main droite contre le genou, on essaye d'ouvrir un peu plus vers l'arrière. On inspire, les deux mains reviennent vers l'avant. Et on expire, main droite au sol, et on bascule, côté droit. On inspire, à nouveau les deux mains au ciel. On expire, main gauche, genou gauche, main droite à l'arrière, et on trouve notre torsion. On grandit et on ouvre vers l'arrière. On inspire, les deux mains au ciel. Cette fois-ci, on expire, on ouvre les bras en cactus, et on monte la poitrine vers le ciel. On va prendre une inspiration, on va envoyer les deux mains vers l'avant, on arrondit le dos. On expire, comme si on tirait sur une corde, on va reculer le coude vers l'arrière, on avance la poitrine vers l'avant. Encore une fois, on inspire, on tourne vers l'avant, on arrondit le dos. Et on expire vers l'arrière.
Prochaine fois, on inspire, les mains se tendent vers le ciel. On est reparti pour un tour, on expire, on bascule à gauche. On inspire, on revient au ciel. On expire, on trouve notre torsion à gauche toujours. On inspire, on revient dans l'axe, les mains au ciel. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on bascule à droite, on étire tout le côté droit. On inspire, on revient dans l'axe. Et on expire, on trouve notre torsion à droite. On inspire, les mains au ciel. On expire, on ouvre en cactus, le regard vers le plafond, la poitrine vers le plafond. On inspire, on tend les bras vers l'avant, on arrondit le dos. Et on va venir ouvrir ici la poitrine vers l'avant, les coudes se plient comme si on tirait quelque chose vers l'arrière. Une nouvelle inspiration, les mains tendues vers l'avant. On expire, les mains partent vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire, les mains s'étendent vers le ciel. On expire, les mains sont à plat au sol. Et on va venir trouver les quatre pattes ici. Ok. Les mains en dessous des épaules. Les pieds peuvent être projetés ou à plat. On va trouver la base au niveau de la colonne vertébrale. Donc, essayez vraiment de partir du sacrum. Comme si vous avez le pont au niveau du sacrum qui commençait à monter vers le ciel. Et peut-être dérouler la vague jusqu'au coudeau. On creuse, après un peu plus au niveau du bas du dos. On relâche le ventre vers le sol. On continue de creuser, on descend la poitrine vers le sol. Le regard part vers l'avant. Et sur l'expiration, on repart du sacrum. Comme si on voulait pousser les fesses vers l'arrière et vers le sol. On arrondit d'abord au niveau du bas du dos. On continue d'arrondir, on pousse dans les mains. On fait monter la vague jusqu'au niveau du thorax et on relâche. Encore une fois, on inspire, on creuse, on fait passer notre vague tout au long de la colonne vertébrale, au fur et à mesure, le regard vers l'avant. Et on expire, on pousse dans les mains, les fesses se contractent, on relâche les fesses vers le sol, on arrondit le bas du dos, le milieu du dos, et le haut du dos. Ok, on va venir projeter les pieds ici, serrer les chevilles et les orteils, et on va inspirer, on va venir poser les fesses sur les talons, pour étirer un peu les chevilles et toute la pointe de pied. Ok, si là c'est trop de poids, on peut basculer le poids du corps légèrement vers l'avant, décoller légèrement les fesses, mais dans l'idée c'est que ça tire un peu, ça étire, mais pas que ça fasse mal. On va bien tendre les mains vers l'avant et profiter pour étirer les poignets. Donc ici, les bras sont tendus vers l'avant et je vais relâcher les doigts bien tendus et je relâche mes doigts vers le sol. Ok, je vais ramener mes doigts à l'intérieur, les deux doigts à l'intérieur et je vais venir essayer de trouver un peu comme si je tenais une assiette dans mes mains et que je ramenais mes doigts à l'intérieur. Okay. Ensuite, je vais venir ramener mes doigts vers moi. J'essaie de garder mon avant-bras toujours vers le ciel. Il ne tourne pas vers le sol, il reste en place. Ok, on ramène notre plat vers le visage et on va venir l'éloigner sur le côté. Donc les doigts à l'extérieur. Ok, encore une fois, on relâche vers le sol tant qu'on peut. On ramène au milieu tant qu'on peut. On ramène vers soi tant qu'on peut. Et on ouvre sur le côté tant qu'on peut. Ok, on va décoller les fesses et on va venir mettre les mains à plat au sol. On inspire, on bascule les épaules vers l'avant. On expire, on recule les hanches vers l'arrière. Encore une fois, on inspire les épaules vers l'avant. Et on expire les hanches vers l'arrière. Prochaine inspiration, on trouve le kappa. On va venir ouvrir les doigts de chaque côté, ici, vers l'extérieur. On inspire, on part légèrement à droite, on contrôle. On expire à gauche. Encore une fois, on part d'un côté. Une dernière fois, on part de l'autre côté. Et on va venir secouer les poignets. L'un après l'autre. Et à nouveau, on trouve notre quatre pattes. Ok. On descend dans les hanches.
à gauche. On est bien droit. On envoie le genou vers l'arrière et on met la cuisse face au tapis et on relâche vers le sol. On part dans l'autre sens. Le genou vers l'arrière. On ouvre sur le côté. On ramène vers l'avant avant de relâcher vers le sol. On repose le genou. L'autre genou. Genou gauche vers l'avant-bras. On ouvre sur le côté. On envoie à l'arrière la cuisse parallèle. On relâche vers le sol. On contracte bien les fessiers. On essaie de garder un dos neutre. On envoie le genou vers l'arrière. On ouvre sur le côté. On ramène vers l'avant. Et on relâche vers le sol. On va revenir un peu au niveau des épaules et du thorax. On va inspirer. On va monter le bras droit vers le ciel. On expire. On va faire glisser la main droite. Entre la main gauche et la cuisse. Et on va venir poser notre épaule au sol et étirer un peu l'épaule. On inspire, on décolle, on ouvre à droite, on monte la main au ciel. On expire, on passe en dessous. On pose l'épaule. Encore une fois, on inspire, on monte au ciel. On expire, on glisse la main en dessous, on éloigne. On peut mettre un pli dans le bras gauche et on pose l'épaule droite au sol. On peut poser la tête au sol. On est ici pour une petite inspiration. On relâche l'expiration. Prochaine inspiration, on se redresse. Et on pose la main droite au sol. On est parti, côté gauche. On inspire, on ouvre. Le buste s'ouvre, le bras se tend vers le ciel. Le regard vers le droit. Et on expire, on glisse en dessous. On peut mettre un pli dans le bras droit. Pour venir poser l'épaule et peut-être l'oreille au sol. On inspire, on remonte. On expire, on glisse en dessous. Une dernière fois, on inspire, on monte vers le ciel. Une dernière fois, on expire, on glisse en dessous. On reste ici pour une inspiration. On relâche une expiration ici. Prochaine inspiration, on retrouve notre cadre. Les mains en dessous, des épaules à nouveau, les genoux en dessous des hanches. On projette les pieds ici. On presse dans les mains et on décolle les genoux quelques millimètres. Pas trop. On essaie de garder une espèce de table au niveau du dos. Je devrais pouvoir venir vous étaler sur votre dos sans que ça vous renverse sur votre tête. Ok, on décolle main droite, on touche l'épaule gauche. On repose au sol. Main gauche, épaule droite. On repose au sol. Épaule gauche, au sol, et épaule droite, au sol. Encore deux fois de chaque côté. Épaule gauche, au sol, épaule droite, au sol. Le ventre est bien rentré une dernière fois. Et épaule gauche, le genou est toujours quelques millimètres. Au sol, et épaule droite. Au sol, finalement, on pose le genou au sol, les pieds à plat, les fesses sur les talons, les mains loin devant. On prend une bonne inspiration ici. On expire, on relâche les fesses un peu plus sur le talon. Vous pouvez décoller le bout des doigts, mettre le bout des doigts au sol ici, décoller la paume de main pour avoir plus de sensations. Mais vous pouvez aussi garder la paume de main à plat au sol. Et même emmener les mains derrière au niveau des hanches. C'est vous qui voyez. Encore une inspiration ici. Une dernière expiration. Prochaine inspiration, on va venir trouver le quatre-pattes. Ok. À nouveau, on projette les pieds ici. On presse dans les mains, on va faire flotter les genoux quelques millimètres. La difficulté ici va être de garder le ventre rentré et de garder le genou que quelques millimètres pendant qu'on va se déplacer. Ok. Je vais venir avancer ma main droite quelques centimètres vers l'avant et avancer mon pied gauche quelques centimètres vers l'avant du tapis. Ok. Les genoux sont toujours près du sol, je change de côté. J'avance, main gauche, genou droit. Ok, encore une fois, j'avance, main droite, genou gauche. Je vais repartir dans l'autre sens. Je recule bien, pied gauche, main droite. Je recule, pied droit, main gauche. Une dernière fois, je recule, main droite, pied gauche. Je remets mes pieds en ligne. Je remets mes genoux en ligne. Je presse dans mes mains, je ramène mon buste. De mes cuisses et je commence à monter mes hanches
terre, le ciel pour mon premier jardin en bas. Je prends le temps de respirer ici. Je prends le temps de bien allonger ma colonne vertébrale. Tous mes doigts pressent contre le tapis, ma paume de main presse contre le tapis. Je peux bien sûr mettre un pli dans ma jambe ici si mon dos s'arrondit. Je suis ici pour une bonne inspiration. Je relâche une bonne expiration. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Prochaine inspiration. Des petits pas vers l'avant du tapis. J'arrive à l'avant du tapis, j'expire, je relâche vers le sol. Ok, prochaine inspiration, ma main gauche va venir attraper ma cheville droite. Et je vais inspirer, je vais ouvrir mon buste côté droit et tendre mon bras vers le ciel. J'expire, je relâche vers le sol. Prochaine inspiration, main droite, cheville gauche. Et je monte mon bras vers le ciel. J'expire, je relâche vers le sol. Encore une fois de chaque côté. Sur l'inspiration, main gauche, cheville droite, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je relâche vers le sol. Les jambes peuvent être pliées si besoin. Main droite, cheville gauche, j'inspire, j'ouvre côté gauche. Le bras tendu vers le ciel. Et j'expire, je relâche vers le sol. En douceur, je vais inspirer, dérouler ma colonne vertébrale. En douceur, petit à petit, je me redresse. Ma tête droite, mes mains montent au ciel, les bras tendus vers le ciel. Et ici, sur l'expiration, ma main gauche vers l'avant, ma main droite vers l'arrière, je regarde à droite. J'inspire, je reviens dans l'axe, les mains au ciel. J'expire, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière, je regarde à gauche. J'inspire, mes mains reviennent dans l'axe. J'expire, je relâche vers le sol. Prochaine inspiration, je remonte à moitié, j'allonge ma colonne vertébrale. Et j'expire, je relâche mes mains bien à plat vers le sol. J'inspire, ma jambe droite enfante à l'arrière. J'expire, ma jambe gauche enfante à l'arrière. Les deux genoux au sol, je vais venir poser mes cuisses, mes hanches, mon buste au sol. Ok. Les mains en cactus, on est parti pour la série des épaules. On inspire, on décolle le coude et le poignet. On expire, on relâche vers le sol. Le pubis appuie bien contre le tapis pour libérer les lombaires. À nouveau, on inspire, on décolle. On expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on décolle. On va rester en haut ici. On expire, on tend. On pointe les deux doigts vers l'avant. On expire, on éloigne les coudes. Encore une, on inspire. On tend les deux doigts vers l'avant. On essaie même de tendre ici complètement les bras vers l'arrière. Ok, on va prendre une inspiration, on va décoller les pieds et les jambes. Et sur l'expiration, on va venir ouvrir bras droit vers l'arrière, le regard vers l'avant. On inspire, le bras revient vers l'avant. On expire, on ouvre vers l'arrière. Comme si on nage, on inspire, on revient vers l'avant. Une dernière fois de chaque côté, on ouvre vers l'arrière. On inspire vers l'avant. N'oubliez pas de respirer. On expire vers l'arrière. On inspire, on revient vers l'avant. Et on expire. Ouh, on relâche vers le sol. On peut basculer les hanches et les jambes légèrement de gauche à droite. Les mains reviennent au niveau des épaules. On est reparti. On presse dans les ventres pour 4 pas de planche. On continue de presser. On monte les hanches. On ouvre notre jardin en bas. Ok. Les pieds ensemble ici au niveau du chien tête en bas. On va prendre une inspiration, on décolle les talons bien haut. On expire, on va basculer les talons. Côté droit, les deux talons pivotent à droite. Et on expire, on essaie de pivoter les pieds au sol. On étire tout le côté gauche du sein du corps. On inspire, on décolle, on revient au milieu. Et on change de côté, on expire, on pivote les deux talons côté gauche. Et on essaie de les poser au sol. Vous sentez l'étirement dans tout le côté droit. On inspire, on décolle. On expire, on relâche les talons vers le sol. Prochaine inspiration, des petits pas vers l'avant du tapis. Quand on arrive à l'avant du tapis, on expire, on relâche. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel. On est reparti, on expire, main gauche vers l'avant.
avant, main droite vers l'arrière, on ouvre en T. On inspire, on monte à nouveau vers l'avant. On expire, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière, on ouvre à gauche. On inspire, on revient en axe. On expire, on relâche vers le sol. On inspire, on remonte à moitié, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on relâche les mains vers le sol. Les mains bien à plat. Jambes droites en front à l'arrière. Jambes gauche en front à l'arrière. Genoux au sol. On va venir poser les cuisses, les hanches, le buste. Les mains à plat au sol. Et cette fois-ci, on va ouvrir notre bras, mais on va venir regarder à droite. Et on inspire, notre bras, on ouvre sur la droite. Et on expire, on relâche vers le milieu. On inspire, on ouvre sur la gauche, c'est-à-dire la main gauche pousse plus dans le sol pour se tendre et la main, le bras droit est légèrement plié. On expire, on relâche vers le sol. Quelques millimètres suffisent pour remonter, vous n'avez pas besoin, de remonter aussi haut. On inspire, on ouvre, mais si vous pouvez, n'hésitez pas. On expire, on relâche. Donc derrière, on inspire, on ouvre à gauche. Et on expire, on relâche. On projette les pieds. On presse dans les mains pour faire battre la planche. On continue de presser, on monte les hanches. Tiens, tête en bas. Ok. On plante bien la main gauche au sol. On inspire, on va venir sur le bout des doigts de la main droite. On fait flotter la main droite et elle va venir attraper la cheville gauche. Si c'est possible, j'attrape bien la cheville gauche ou mon genou ou ma cuisse. Peu importe si c'est possible pour vous. Si ce n'est pas possible, juste la main touche le tapis. Si vous avez attrapé votre cheville, vous allez essayer d'aller regarder en dessous de votre aisselle ici, côté gauche. Une inspiration. Une expiration. Prochaine inspiration, la main droite se trouve, ça passe à l'avant. Ok, on est parti pour l'autre côté, on expire, main gauche, la vient à choper, cheville, cuisse, mollet, ou juste être posé sur le sol. Et on va essayer de venir regarder sous les selles à droite. Une inspiration ici. Si c'est trop de sensations, les deux mains peuvent rester à l'avant. Une expiration. Prochaine inspiration, main gauche retrouve la pointe. On relâche ici, on tient tête en bas. On inspire, des petits pas vers l'avant du talon. On expire, on relâche vers le sol. On inspire, on déroule la colonne vertébrale, les mains montent au ciel, comme deux mains se touchent. Et descend en prière. On est reparti, on inspire, les mains montent au ciel. On expire, on court, les mains descendent au sol. On inspire, on remonte à moitié, on avance la colonne vertébrale. On expire, on relâche les mains à plat au sol. Prochaine inspiration, jambes droites en pointe à l'arrière. On expire, jambes gauche en pointe à l'arrière. Et on va monter les hanches pour le chien, tête en bas. Ok, on va s'amuser un petit peu ici. On va inspirer, on décolle les talons et on monte les fesses encore plus haut. On presse bien dans les mains. Et on va venir inspirer, dérouler vers l'avant. Donc on avance les épaules, on avance les épaules, on avance les épaules pour trouver la planche. On expire, on a un pli dans les jambes. Et on va venir monter les fesses vers le ciel, pousser dans les mains pour retrouver à nouveau notre chien tête en bas. On en fait encore deux, comme une vague. On inspire, on déroule vers l'avant, on trouve notre planche. On expire, un pli dans les jambes, on creuse le dos, on déroule notre balle, tiens, tête en bas. Une dernière fois, on inspire, on décolle les talons, on déroule vers l'avant. On expire, un pli dans les jambes, les fesses vers le ciel, on déroule la colonne vertébrale, tiens, tête en bas. Ok. On va inspirer, on décolle, jambes droites. On expire, on met un pli, on va venir poser le genou droit. Au sol. On inspire, on va décoller pied gauche. Le pied droit est légèrement ouvert sur le côté. On va trouver notre plan sur le côté modifié. Et on inspire, les mains montent derrière le ciel. On expire, on pose le pied gauche sur le tapis. Et on va venir passer la main gauche sous, entre le bras droit et la cuisse droite.
On inspire, on ouvre. On décale le pied. On expire, on pose. On glisse la main en dessous. Une dernière fois, on inspire, on monte. On en décolle. Une dernière fois, on expire. On glisse en dessous. On va venir poser la main gauche au sol. On pose le genou gauche au sol. On retourne notre quatre-pattes. On change de côté. On ouvre le pied gauche légèrement sur le côté à gauche. On tend la jambe droite vers l'arrière et on inspire, on décolle main droite, on décolle jambe droite. On expire, on pose pied droit et on glisse main droite sous main gauche. On inspire, on ouvre, on trouve notre équilibre ici. On expire, on pose le pied, on glisse la main en dessous. Une dernière fois, on inspire, on monte. On expire, on glisse. Main droite retrouve le sol. Genou gauche, genou droit retrouve le sol. On prête dans les mains, on tend la jambe ici pour la planche. Ok, on va venir poser les avant-bras au sol. On est toujours en planche ici. Alors les fesses sont pas trop, on n'est pas en dauphin. Et les fesses sont pas trop bas, on n'a pas tout le poids au niveau des lombaires. Juste la bonne hauteur. Le ventre est bien rentré. On prend une inspiration ici. Vous pouvez rester ici pour les quelques secondes qui suivent, ou sinon, vous expirez, vous laissez la hanche tomber côté droit. On inspire, on revient dans l'axe. Le ventre est toujours rentré. On expire, on laisse tomber côté gauche. On essaye de garder au niveau du thorax bien centré et laisser plus les hanches travailler. Encore une fois dans l'axe. Une dernière fois, côté gauche. On revient dans l'axe. On pose les genoux. On pose les cuisses. Les hanches. Les mains à plat. On a la posture du sphinx ici. Le regard vers l'avant. Et on prend le temps de respirer. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Encore une fois, une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Ok. On va relâcher le buste vers le sol. On remet les mains à côté des épaules. On projette les pieds. On prête dans les mains. On trouve la planche ou quatre pattes. On continue de pousser. On trouve notre chien tête en bas. Prochaine inspiration, des petits pas vers l'avant du tapis. Quand on arrive à l'avant, on expire, on relâche. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, comme deux mains se touchent. Et on expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Ok, on est reparti. On inspire, les mains montent au ciel. Les mains restent au ciel, on expire, on s'assoit dans notre chaise. On prend une inspiration dans la chaise. Et la prochaine expiration, les deux mains vont aller côté gauche. Le regard va partir côté gauche et les mains partent vers l'arrière. Le regard vers l'arrière. On inspire, les mains reviennent vers l'avant. On retrouve notre chaise. Comme si on valait. On expire, on part à droite. Le regard suit les mains. On inspire, on revient ici. On expire, cette fois-ci, on va venir poser le buste sur les cuisses et les mains partent vers l'arrière. Et on va aller entrelacer les doigts et éloigner le poignet du corps. Prochaine inspiration, on délace, on revient, on retrouve notre chaise. Je sais que ça chauffe, on est reparti, on expire, on envoie à gauche, le regard suit les mains. On inspire, on revient vers l'avant. On expire, on part à droite, le regard suit les mains. On inspire, on revient pour notre chaise. Ok, on a fini, on expire, on relâche les mains vers le sol. On pose. On inspire, on remonte à moitié, on allonge la colonne vertébrale. On expire, les mains à plat au sol. Ok. Prochaine inspiration, jambe droite en pointe à l'arrière. On expire, jambe gauche en pointe. On presse dans les mains, on trouve le chien tête en bas ici. Ok, on prépare nos mains, on inspire, on décolle talon droit en l'air à l'arrière. On a un pli dans la jambe droite, on expire, on va ramener le genou droit pour toucher le coude gauche.
On inspire, on est reparti à l'arrière, le chien à trois pattes. On expire, genou droit, coude droit. On inspire, on repart à l'arrière. Ok, à nouveau on expire, on va ramener le genou droit vers le coude droit. Cette fois-ci, on ne touche pas le coude. On va essayer de tendre la jambe en dessous. Alors, on va mettre dans le fond ça. Donc, j'ai ramené mon genou vers l'avant et j'ai tendu ma jambe sur le côté. J'ai l'arête externe de ma jambe droite au sol et je vais aller poser mon talon gauche au sol à l'arrière. Je prends une inspiration, je décolle. Ma main gauche qui monte vers le ciel. J'expire, ma main gauche retrouve le sol. Je fais glisser mon pied légèrement vers l'arrière jusqu'au point où je puisse le lever et le remettre dans l'axe. J'inspire, je tends mon talon en l'air à l'arrière. J'expire, je remets un pli et je ramène mon genou vers l'avant et le pied entre les doigts. Ok, on est parti. On inspire, on redresse. On trouve notre hand ici, les mains vers le ciel. On expire, main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. On trouve notre torsion vers la droite. On inspire, on revient dans l'axe, vers l'avant. Ok, cette fois-ci, ma main gauche va descendre, va faire le tour de mon dos et va aller se caler à l'extérieur de ma hanche droite ici. J'inspire, je vais basculer légèrement vers l'arrière. Ok, j'expire, je viens vers l'avant. Je vais venir poser mon coude sur mon genou et ouvrir mon buste côté gauche. Je pivote mes orteils vers la gauche et je pose mon talon au sol. Je prends une inspiration ici, j'ouvre un peu plus. J'expire, je relâche. Encore une inspiration ici. Sur la prochaine expiration, je décroise ma main gauche qui va venir trouver le sol. Je décolle mon talon à l'arrière et ma main droite trouve le sol aussi. J'inspire, je recule ma jambe à l'arrière, je pose pas mon pied. Je tiens ma planche à trois pattes juste pour une seconde. J'expire, je pose le pied au sol. Je monte les hanches, je retrouve mon chien tête en bas. Ok, on est reparti pour le côté gauche. J'inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. Je mets un pli, j'expire, genou gauche, coude droit. J'inspire, je repars à l'arrière. J'expire, genou gauche, coude gauche. Encore une, j'inspire à l'arrière. J'expire, je ramène le genou vers le coude, mais je ne touche pas cette fois-ci. Et je vais tendre ma jambe et poser l'arête externe de la jambe gauche au sol. Je pose mon talon droit à l'arrière et j'inspire, je tends mon bras droit vers le ciel. J'expire, ma main droite retrouve le sol. Je fais glisser mon pied gauche à l'intérieur, je le décolle, je reviens dans l'axe et je le tends à l'arrière pour le chien à trois pattes. Ok, j'expire, je ramène mon genou vers l'avant, je pose mon pied entre les mains. J'inspire, je me redresse, je coupe ma pompe. Ok, je me suis trompée tout à l'heure dans la série, on va corriger ça. J'expire, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Je regarde du côté gauche. J'inspire, je retrouve ma tente haute. Ok, c'est ici qu'on corrige. J'expire, je vais envoyer ma main gauche vers l'avant, ma main droite vers l'arrière. Je pivote mon talon, je pose mon talon pour guérir deux. Beaucoup mieux. Ok, un pli dans la jambe gauche à l'avant. Ma main droite va faire le tour de mon dos et va venir se caler au niveau de la hanche gauche. Et j'inspire, je vais renverser vers l'arrière. Ah, on est plus stable là. J'expire, je ramène mon coude vers l'avant, je pose mon coude sur mon genou et j'ouvre mon buste un peu plus côté droit. Je prends une inspiration ici. Je relâche l'expiration. Prochaine inspiration, je relâche ma main droite vers le ciel et j'expire, je pose mes deux mains vers le sol, je décolle mon talon à l'arrière. Ok, je fais reculer ma jambe gauche. Je trouve ma planche à trois pattes. Je tiens une petite seconde. Je pose. Je monte les hanches. Chien, tête en bas. Une inspiration ici. Une expiration. Prochaine inspiration, des petits pas vers l'avant du tapis.
Quand j'arrive à l'avant, j'expire, je relâche. J'inspire, je déroule en douceur. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descend en prière. On va faire cette série une deuxième fois, un peu plus fluide. On est parti. J'inspire, les mains montent au ciel. J'expire, je m'assois dans ma chaise. Je prends une inspiration ici dans ma chaise. Et j'expire, mes deux mains par terre, la gauche, mon regard suit mon doigt. J'inspire, je reviens vers l'avant. J'expire, je pars vers la droite, le regard suit les doigts. J'inspire, je reviens vers l'avant. J'expire, je viens poser mon buste sur mes cuisses. Et j'ai toujours les jambes de la chaise et mes mains partent vers l'arrière. J'entrelace mes doigts, je tire pour éloigner mon poignet du corps. Je prends une inspiration ici. J'expire, je relâche, je délace mes doigts. J'inspire, je remonte pour trouver à nouveau ma chaise. Je sais que ça chauffe. J'expire, main vers la gauche. J'inspire, je reviens vers l'avant. J'expire, main vers la droite. J'inspire, je reviens vers l'avant. Ok, soulagement, j'expire, je relâche vers le sol. J'inspire, je remonte à moitié. Et j'expire, je relâche les mains bien à plat. Prochaine inspiration, jambe droite en pointe à l'arrière. J'expire, jambe gauche en pointe à l'arrière. Je presse dans mes mains, je monte mes hanches. Tiens, tête en bas. Ok, on est parti. J'inspire, talon en l'air à l'arrière. J'expire, un pied dans la jambe, genou gauche, coude gauche. J'inspire, chien à trois pattes. J'expire, genou droit, coude droit. J'inspire, chien à trois pattes. J'expire, je ramène genou droit en direction du coude gauche, sauf que cette fois-ci, je tends ma jambe. Je pose mon talon droit à l'arrière et j'inspire, je décolle, main à gauche. Une inspiration ici. J'expire, je repose main à gauche, je ramène mon pied dans l'axe comme je peux et je décolle. Je tends l'air. Prochaine expiration, un pied dans la jambe, le genou vers l'avant, le pied entre les mains. J'inspire, je trouve ma propre haute ici. J'expire, j'ouvre pour ma cuisse côté droit. J'inspire, je retrouve ma propre haute. J'expire, j'ouvre pour mon guerrier 2, côté gauche. Ma main gauche au creux de ma hanche droite. J'inspire, je renverse vers l'arrière. J'expire, je bascule vers l'avant. Mon coude sur mon genou. Et j'ouvre mon buste côté gauche. Je prends une bonne inspiration. Je relâche une bonne expiration. Prochaine inspiration. Ma main gauche vers le ciel et j'expire, les deux mains vers le sol. J'inspire, je recule mon pied droit vers l'arrière qui ne touche pas le sol, je replanche à trois pattes. J'expire, je pose mon pied droit au sol et je monte les hanches. Du courage pour le dernier côté. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, genou gauche, coude droit. On inspire, talon en l'arrière. On expire, genou gauche, coude gauche. On inspire, talon à l'arrière. On expire, on ramène le genou vers le coude droit et on tend la jambe gauche en dessous ici. Je pose mon talon à l'arrière et j'inspire, je décolle ma main droite vers le ciel. J'expire, je pose ma main au sol. Je fais reculer mon pied gauche dans l'axe et je le tends à nouveau vers l'arrière. J'expire, mon genou vers l'avant, mon pied entre les mains. J'inspire, je me redresse, je trouve ma propre côte ici. J'expire, j'ouvre côté gauche pour ma cuisse. J'inspire, je retrouve ma propre côte vers l'avant. Et j'expire, je vais courir vers la droite pour me guérir. Je regarde vers l'avant. La main droite part derrière le dos, va venir projeter. Au niveau de la hanche gauche, je regarde toujours vers l'avant, je vais inspirer, je bascule vers l'arrière. J'expire, je bascule vers l'avant, je pose mon coude contre mon genou, mon buste, vers la droite. Et je relâche ici.
prends une inspiration. Mon genou est bien au-dessus de ma cheville. Et je relâche l'expiration. Prochaine inspiration. Les mains montent vers le ciel. J'expire les deux mains vers le sol. Je fais reculer mon pied gauche vers l'arrière sans poser. Et j'expire le pied gauche au sol. Les deux genoux au sol. Les pieds à plat. Les fesses sur les talons, les mains loin. Une inspiration ici. Une expiration. Encore une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Prochaine inspiration, on trouve le quatre pattes. On crochète les pieds, on presse pour le chien tête en bas. On va venir faire des petits pas vers l'avant du tapis. Arrivé à l'avant, on expire, on relâche. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, paume de main se touche et descend en prière. Ok. On va finir avec la série debout. On va essayer de faire plusieurs fois de chaque côté. Je vais juste la démontrer pour que vous la voyez avant de commencer à pratiquer. Pourquoi ? Pour pas qu'on soit en train de trembler dans tous les sens et que je blablate tout. Donc du coup, pour cette série debout, on s'installe bien. Et on va inspirer, on va monter les mains au ciel. On monte les jambes. Vous n'êtes pas obligé de faire en même temps. Hein. C'est juste pour démontrer. Sur l'expiration, la prochaine expiration, je vais venir croiser mes mains sur ma poitrine. Croiser ma cheville sur mon genou et m'asseoir dans ma chaise. Et j'inspire, je tends les mains vers le ciel, je décroise tout, mon genou est vers le ciel. Ok, prochaine expiration, je vais tendre ma jambe vers l'avant, mes mains vers l'avant. Je vais inspirer ma main, ma jambe swing vers l'arrière. Je trouve mon guerrier 3, mes bras vers l'arrière, je contracte ma fesse pour monter le talon. J'inspire, je reviens vers l'avant avec mon équilibre, le genou au ciel, et j'expire, je relâche au sol. Je guiderai, mais c'est l'idée, ça va ressembler à ça. On est bon? On est parti? Ok. On s'installe, on inspire, les mains montent au ciel, on décolle le genou droit. On expire, on croise les bras sur la poitrine, on croise la cheville sur le genou, on vient s'asseoir dans notre chaise. On inspire, on presse dans le pied gauche, on remonte les bras, on décolle le genou. On expire, on tend les mains vers l'avant, on pousse vers l'avant, on tend la jambe vers l'avant. On inspire, on swing et la jambe et les mains vers l'arrière. On trouve notre guerrier 3. On contracte la fesse gauche, la fesse droite. Les mains sont tendues vers l'arrière, le ventre est rentré. Prochaine inspiration. On swing, on remonte. Et les bras et les genoux. Et on expire, on relâche vers le sol. C'est juste pour faire chauffer un peu les jambes. On est parti de l'autre côté. On secoue un peu. Et on est reparti. Essayez de trouver votre équilibre. Si vous tombez, c'est pas grave, vous revenez. On inspire, les mains montent au ciel, le genou se décolle. On expire, on croise les bras sur la poitrine, on croise la cheville, on s'assoit dans notre chaise. On inspire, les mains remontent vers le ciel, le genou remonte vers le sol. On expire, les mains se tendent vers l'avant, le pied se tend vers l'avant. On inspire, on swing vers l'arrière, on trouve notre guerrier 3. Et à partir du moment où le pied part vers l'arrière, on commence à contracter la fesse gauche pour monter le talon le plus possible vers le ciel. Les mains se tendent vers l'arrière. Le regard est légèrement loin devant votre tapis. Allez, encore un souffle ici. Une expiration ici. On inspire, on revient vers le ciel. Genoux et mains. Et on expire, on relâche vers le sol. Ok. Parce que je vois d'ici que vous adorez ça, on va refaire ça une fois de chaque côté. On est reparti. On se prépare,
On inspire les mains montent au ciel, les genoux au ciel. Essayez de tenir un peu plus. Le pied gauche pousse et le genou droit monte. On expire, je vais croiser ici comme un chiffre 4 et je viens m'installer dans ma chaise. J'inspire, je redécolle tout ça et j'expire, je tends vers l'avant. Avec la respiration, j'inspire vers l'arrière, mon guerrier 3. J'inspire, je reviens vers l'avant, genou au ciel, main au ciel. Et j'expire, je relâche vers le sol. Ok. On cherche plus de fluidité côté gauche. On est reparti. On inspire, les mains montent au ciel, le genou au ciel. On expire, on tend vers l'avant et on pousse les mains vers l'avant. On pousse la jambe vers l'avant. Je me suis trompée. Non. On expire, on croise les bras, on croise la cheville et on s'assoit. Pardon. Je me suis laissée emballer. On inspire, on remonte vers le ciel. On expire, on tend vers l'avant. Là, on est bon. On inspire, on part vers l'arrière. On garde l'équilibre. On trouve notre guerrier fort. Le regard loin devant. Le ventre est rentré. Les fesses sont contractées. Les mains se tendent vers l'arrière. On inspire, on revient vers l'avant. Et on expire, on relâche vers le sol. Ok, juste un petit challenge pour finir. Je vais mettre le chronomètre. Ok, c'est bon. Je vais mettre le chronomètre et on va essayer de se tenir le guerrier 3. 20 secondes, 30 secondes, allez 30. Juste pour le plaisir. Si on tombe, on tombe, on revient. Ok. On est parti. Les mains vers le ciel, le genou vers le ciel. Et on va juste swinger vers l'arrière. On tend la jambe vers l'arrière. Ça y est, j'ai lancé le chrono. Ok. Les mains peuvent être vers les hanches. Les mains peuvent attraper les hanches. Les mains peuvent être en prière. Les mains peuvent être sur où vous voulez vos mains. Et on travaille le pied. On travaille les fessiers. Les talons vers le ciel. Et on respire ici. Plus de 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On est parti pour l'autre côté. Je vérifierai après l'idée qui a tenu les 30 secondes entières. On inspire, les mains au ciel, genoux gauche au ciel. On expire, c'est parti, on swing vers l'arrière. Le chrono est lancé. Les mains où vous voulez. Et on fait le travail du ventre rentré, les fesses contractées, la fesse gauche un peu plus pour monter le talon, le regard loin devant le tapis, les mains loin derrière, s'ils sont à l'arrière, peu importe où sont vos mains. Et on respire ici. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Ok, ce sera tout pour ce soir. On va repasser au sol. On va bien retirer les fessiers parce que j'en ai bien travaillé. On s'allonge sur le dos. Et on va venir croiser la cheville sur le genou. Gauche ou droite, peu importe, on fera les deux côtés. On décolle le genou, les mains derrière les cuisses. On rapproche les cuisses du buste et on éloigne le genou droit, ici pour le garder, le tibia sur la même ligne. On prend le temps d'inspirer ici et d'expirer. Une bonne inspiration. Une bonne expiration. Au fur et à mesure qu'on respire, on essaye de rapprocher le genou un peu plus du buste. On essaye de sentir la sensation d'étirement côté droit. Enfin, ça dépend quel genre vous êtes en train de faire. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Ok.
On pose le pied, on change de côté. On croise, on ouvre le genou gauche, on éloigne le genou gauche du buste. Et ensuite, on essaye de ramener la cuisse vers le buste. Le genou gauche va finir par se rapprocher du buste. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que le genou gauche arrive avant la cheville. Donc, on essaie de garder le genou et la cheville sur la même ligne. Et ensuite, on fait notre travail d'étirement. On ne force pas. On prend juste le temps de respirer, de travailler avec sa respiration en douceur. Et au fur et à mesure, on va gagner quelques millimètres. Prochaine inspiration, on décroise. On va venir ramener les deux genoux sur la poitrine, sauf que les genoux sont ouverts. Comme si on voulait poser le genou à l'extérieur du buste. On va essayer de ramener la cheville dans le même alignement que le genou et ensuite les mains, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. On attrape l'arête, une arête interne ou externe du pied et on commence à appliquer une douce pression sur le pied pour rapprocher le genou un peu plus près du sol. Et on respire ici. Une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Si c'est OK pour vous, vous pouvez essayer de tendre une jambe et de la plier. C'est pas obligatoire, mais si c'est OK, vous pouvez essayer. Elle n'est pas obligée d'être de finir complètement tendue, mais l'idée c'est d'éloigner un peu la cheville. Toujours sans douleur. L'une après l'autre. Dès que ça étire de trop, on s'arrête. On va venir serrer les genoux ici ensemble. On va laisser les talons descendre vers les fesses. Main gauche à l'extérieur du genou droit, main droite à plat au sol. On va venir basculer les deux genoux côté gauche. Et on garde le regard côté droit. Une inspiration ici. Une expiration. Encore une inspiration ici. Et une expiration. Prochaine inspiration, on revient sur le dos. Main droite extérieure du genou gauche, main gauche ouverte sur le côté. Et on expire, on bascule côté gauche. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration ici. Prochaine inspiration, on revient sur le dos. Les mains enlacent le tibia. On applique une pression pour ramener les cuisses le plus près du buste possible. On bascule, on berce le bas du dos légèrement de gauche à droite. On bascule. Tout doucement, on va finir par se centrer. On expire, on vide les poumons complètement. On inspire, on remplit. On garde cet air. On inspire un peu plus. On garde encore quelques secondes. Une dernière fois, on inspire. Et on va venir expirer par la bouche. On tend les jambes, on ouvre les bras. On laisse les orteils tomber de chaque côté. Les chevilles peuvent être éloignées autant que vous voulez. On va retrouver notre souffle ici en douceur, comme on a commencé. Une bonne inspiration par le nez. Une bonne expiration par le nez. Une bonne inspiration par le nez.
Et une bonne expiration par le nez. Encore une fois, une bonne inspiration par le nez. Une bonne expiration par le nez. Prochaine inspiration, on gonfle les poumons. On gonfle le ventre. On va expirer par la bouche en contractant le ventre, comme si on activait nos abdos, se préparait à recevoir un coup de poing dans le ventre. Et on vide aussi les poumons. Ok, on relâche tout ça. On inspire, on gonfle les poumons. Et on gonfle le ventre. Et sur l'expiration, on contracte le ventre pour expulser l'air. Mais on vide aussi complètement les poumons. Encore une. On inspire, on relâche, on gonfle tout. Et sur l'expiration, on contracte le ventre. On expire. On relâche ça. On prend une bonne inspiration. On relâche une bonne expiration. Une dernière inspiration. Autant vous voulez, tout ce que vous voulez. On compte, on remplit. On garde l'air. Encore une seconde. Et on expire en douceur par la bouche en vide. On retrouve notre respiration normale. On recommence à bouger les orteils, les chevilles, les jambes de gauche à droite, les bras. Quand on est prêt, on s'étire bien sûr, si on a besoin. Puis on va trouver un pli dans les jambes. On va décaler les deux hanches côté gauche. Et on bascule à droite, on se rend un coussin avec les avant-bras. On est ici pour une inspiration. On relâche l'expiration. Encore une inspiration ici. Et sur l'expiration, on va venir repousser le sol pour retrouver la posture assise de votre choix. Une dernière inspiration tous ensemble. On inspire, les mains montent au ciel. Le regard vers les doigts, les paumes de main se touchent. On expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namaste.